Bien, on va un peu écouter ce que nous dit Trump sur son programme. Il détaille en partie, il parle de l'état profond, il parle également du réchauffement climatique, du climat, et il parle également du changement de genre. Il va donc s'occuper de dézinguer l'état profond, il va s'occuper de sortir de la coupe des écolos qui veulent arrêter la production, qui veulent réduire l'Occident surtout, parce que les Russes et les Chinois, ils en ont rien à foutre. Donc les écolos, ils veulent pénaliser l'Occident dans son développement économique par des idées complètement folles. Et vous avez, pour finir, le changement de genre, qui est abordé par Trump, qui va interdire le changement de genre avant la majorité. Parce que, évidemment, ça aussi, ça fait partie du wokisme, et il va s'attaquer au wokisme. Mais on va commencer par écouter notre ami Védrine. Vous savez, cette vieille gauche caviar, rance, qu'on nous ressort en ce moment, on nous les ressort tous, hein. Tous les fantômes, là, on nous les ressort du placard, et on a l'impression de revivre les années Mitterrand en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Toutes les vieilles peaux réapparaissent. Alors là, Védrine, bon bah, on va les écouter. Ils sont en mode panique. Ils vont se chier dessus, je crois, tous, parce que dans leurs EHPAD, là, parce que franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir qu'ils se prennent des claques, parce que tous ces gens-là nous ont tellement emmerdés pendant des années que c'est normal un peu qu'on prenne notre pied en ce moment avec cette revanche qui est un peu légitime. On écoute Védrine. Et après, on va écouter Trump. La victoire de Trump, peut-être même le triomphe, les derniers résultats qui tombent, l'Arizona, tous les États pivots, il les a gagnés, il a gagné le vote populaire à l'échelon national. Qu'avons-nous raté? Qu'est-ce que les observateurs ont manqué de voir? C'est un tremblement de terre qui va être suivi de nombreuses répliques. C'est un raz-de-marée. Il a gagné donc les grands électeurs. Le vote populaire, le Sénat, la Chambre, ils ont déjà la Cour suprême. Donc ça va avoir des effets énormes, parce que même chez les anti-américains, en fait, l'Amérique était le point de référence depuis 1945. Après, il y a tout le système américano-globalisé. Qu'est-ce que va être le système, disons, occidental ou mondial, orphelin de l'Amérique de Philippe Labron, pour dire de l'Amérique d'Hollywood, de l'Amérique de Superman, de l'Amérique de Star Wars, etc. Donc c'est vertigineux. Vous ouvrez les chapitres qu'on va développer. Le pouvoir de cet homme, Trump, en plus Non, de son culot naturel, l'Amérique. De l'Amérique bien sûr, mais le fait qu'il, comme vous le dites, il dispose de tous les leviers, Oui. tous. Oui. Alors il faut faire l'analyse, disons, conjoncturelle. C'est une bête de scène. Alors la politique est devenue un spectacle avec un financement illimité, ce qui est complètement catastrophique. Bon, Madame Harris n'était pas prête. Mais beaucoup d'argent, hein. Vous parlez d'argent, on dit qu'elle aurait dépensé jusqu'à 1 milliard au total. Non, La campagne d'Harris a été un déluge d'argent. C'est extravagant. C'est la Cour suprême qui a déplafonné il y a quelques années. C'est honteux. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, il y a l'aspect inflation qui a joué. Elle n'était pas prête, elle ne pouvait pas en 3 mois devenir une candidate sain. Il y a les éléments de fond. Il y a une sorte d'électorat populaire qui dit qu'il y en a ras-le-bol du progressisme américain des 50 dernières années. Ils ne sont pas contre tout, mais. Oui, ça va trop loin. Et ça fait basculer, il y aura le bol du wokisme, ça fait basculer l'électorat latino, qui restait largement chrétien, catho. Et puis d'autre part, il y a une sorte de ras-le-bol, ça laissait plus court, de la mondialisation des 30 dernières années. Vous voyez l'impact mondial par rapport à ça. Est-ce que C'est pour ça que maintenant les gens se disent qu'il faut se dépêcher avant qu'il démarre en vrai fin janvier. On va le détailler dans un Vous instant, avez mais dit sur l'Ukraine, là. si on regarde. Bon là, il attaque l'état profond. On écoute.
C'est bien parce que c'est traduit, il y a une personne qui a pris la peine de traduire. Donc il n'y a pas à lire les sous-titres. Bonne écoute. Voici mon plan pour démanteler l'État profond et récupérer notre démocratie de la corruption de Washington une fois pour toutes. Et c'est bien de corruption qu'il s'agit. Tout d'abord, je vais immédiatement rééditer mon décret de 2020, rétablissant l'autorité du président pour éliminer les bureaucrates voyous. Et j'exercerai ce pouvoir de manière très agressive. Deuxièmement, nous ferons le ménage parmi tous les acteurs corrompus de notre appareil de sécurité nationale et de renseignement, et il y en a beaucoup. Les départements et agences qui ont été militarisés seront complètement remaniés afin que des bureaucrates déshumanisés ne puissent plus jamais cibler et persécuter les conservateurs, les chrétiens ou les ennemis politiques de la gauche, ce qu'ils font actuellement à un niveau que personne ne peut croire même possible. Troisièmement, nous réformerons totalement les tribunaux de la FISA, qui sont si corrompus que les juges ne semblent pas se soucier qu'on leur mente dans les demandes de mandat. Tant de juges ont vu tellement de demandes qu'ils savaient être fausses, ou du moins ils devaient le savoir. Ils ne font rien à ce sujet, on leur ment. Quatrièmement, pour exposer les canulars et abus de pouvoir qui ont déchiré notre pays, nous établirons une commission de vérité et de réconciliation pour déclassifier et publier tous les documents sur l'espionnage, la censure et la corruption de l'État profond, et il y en a beaucoup. Cinquièmement, nous lancerons une répression majeure contre les informateurs du gouvernement qui sont de mèche avec les faux médias pour tisser délibérément de faux récits et pour subvertir notre gouvernement et notre démocratie. Dans la mesure du possible, nous porterons plainte pénalement. Sixièmement, nous rendrons chaque bureau de l'inspecteur général indépendant et physiquement séparé des départements qu'il supervise, afin qu'ils ne deviennent pas les protecteurs de l'État profond. Septièmement, je demanderai au Congrès de mettre en place un système d'audit indépendant pour surveiller continuellement nos agences de renseignement afin de s'assurer qu'ils n'espionnent pas nos citoyens ou ne mènent pas de campagne de désinformation contre le peuple américain ou qu'ils n'espionnent pas la campagne de quelqu'un, comme ils ont espionné ma campagne. Huitièmement, nous poursuivrons les efforts lancés par l'administration Trump pour déplacer certaines parties de la bureaucratie fédérale tentaculaire vers de nouveaux endroits à l'extérieur du marais de Washington. Tout comme j'ai déménagé le bureau de la gestion des terres au Colorado, jusqu'à 100 000 postes gouvernementaux peuvent être déplacés. Et je veux dire immédiatement, hors de Washington, vers des endroits remplis de patriotes qui aiment l'Amérique. Et ils aiment vraiment l'Amérique. Neuvièmement, je travaillerai à interdire aux bureaucrates fédéraux d'accepter des emplois dans les entreprises avec lesquelles ils traitent et qu'ils réglementent. Ils traitent donc avec ces entreprises et les réglementent, puis ils veulent obtenir des emplois de ces entreprises. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Une telle exposition publique ne peut pas continuer. Et elle a lieu constamment, comme avec Big Pharma. Enfin, je soumettrai un amendement constitutionnel pour imposer des limites de mandat aux membres du Congrès. C'est ainsi que je vais briser l'État profond et restaurer un gouvernement contrôlé par le peuple et pour le peuple. Merci beaucoup. Le canular de l'hystérie climatique. Moi, il me fait rire. Enfin, ça fait du bien, quoi. Donc, voilà, on écoute. One of the most urgent tasks, not only for our movement, but for our country, is to decisively defeat the climate hysteria hoax. The ocean is rising. It's coming. It's within 300 years, we're going to gain 1/100th of an inch in the ocean. And have a little more beachfront property. It's going to be a terrible thing. No, it's a hoax. The whole thing is a total, it's so crazy. In the meantime, our factories can't perform. They want us to use wind, intermittent wind. Darling, I'd like to watch the president tonight on television. No, you can't. The wind isn't blowing, right? The wind isn't blowing. There's no television tonight, darling. The wind isn't blowing. And by the way, our house went down to about 30% of the value because we're near a windmill that makes a lot of noise, kills all our birds, and ruins the landscape. Other than that, it's a wonderful thing for the environment. These people are crazy. But they're radical climate people, and I don't believe they mean it.
They can't mean it because it's too easy. They can't mean it. The radical left's fear-mongering about climate and our future is no longer just scaring American youth. It's destroying America's economy, weakening our society, and eviscerating our middle class. It's really hurting us. And conservative leaders, think tanks, and intellectuals must be fearless in calling out the lunacy of what you're seeing and what you're being led into. The world is not ending. Our future is not dying. We have to defeat the climate hoaxers once and for all. You know, they said we only had 12 years to live. That was 4 years ago, remember? They said our country has 12 years. And that was like, I said, oh, what happened? What happened? They said, it's the climate. I said, really? Oh, that doesn't make sense. So that means we only have 8 years. That's ridiculous. The real problem is with nuclear weapons, we may only have 6 months. You talk about global warming, that's the real global warming, not the global warming hoax that they don't even use it anymore. They call it climate change. Remember, they used to call it global warming. The planet is warm, but that wasn't working out too well because a lot of places were extremely cool. So they were getting killed. And then they change it all of a sudden, climate change, because you can't miss on climate change. It can go up, it can go down, it can go 15 different directions. It's climate change, it's killing us. Now these people have got a lot of problems. Changement de genre pour les enfants, mutilation clinique, chimique, physique et émotionnelle de notre jeunesse, voilà ce qu'il dit. Là, il n'y a pas de traduction, il faut lire quoi, les sous-titres. Tout est dit, quoi. Donc il s'attaque à plein de choses qui sont hyper importantes. Vivement qu'on ait chez nous, il y a que je vois que De Villiers, moi, vivement que chez nous, on ait un mec qui fasse une synthèse comme ça déjà et qui nous présente son programme. Bon, allez, bonne écoute. The left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. Very simple. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much. Bien, ben voilà, tout est dit. Donc, joli programme, hein, pour un fou, pour quelqu'un qu'on prend pour un demeuré, pour un showman, tout ça. Je trouve que son programme, il se tient. Et il nous conviendrait parfaitement. Mais je ne sais pas si les Français sont prêts.